tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast. Donc aujourd'hui on vient de se lever, donc hein, bien sûr ma tête voilà, du dimanche matin et même de dimanche tout court, hein, je peux juste pas coiffer, je les ai juste attachés. Donc là, bah, petite surprise, je vais vous montrer la petite surprise qu'on a dehors et puis après bah, on va ouvrir les calendriers de l'avant. Regardez-moi ça la surprise. Et puis là c'est pas que mais... ça tombe bien quoi, donc voilà. Donc je vous pose là et puis on ouvre les calendriers. Donc c'est parti, le look fantastique. La case numéro 10. 1, 2, 3, 10. Ah, et 11, ce sera là. La case numéro 10. Donc c'est un masque de la marque Oska London, donc c'est une très bonne marque et donc c'est un petit pot de crème, pas de crème, c'est un masque Renaissance, donc ça c'est super chouette, donc j'aime beaucoup les masques, donc top, voilà. Donc ensuite le Ciaté. Le 10 est ici avec la petite phrase du jour. Et la couleur, c'est ce qui nous importe le plus. Oh là là, joli violet. Regardez-moi ça. Très joli violet, ouais. Un superbe violet. Ça pour le printemps et l'été, trop beau. Là, je trouve qu'il n'est pas assez foncé pour cette période. D'ailleurs, il faut que je me fasse mes ongles aussi. What the shell. Ah, Kills. Ah, il est ici. Oh ben, j'ai de la chance parce que je trouve facilement. Tadam. Nous avons un tonnerre sans alcool, Calendula Herbal Extra Tonnerre. Donc un tonnerre, je ne sais pas trop ce que c'est un tonnerre. Donc voilà, un petit tonnerre, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est une lotion? Je ne sais pas. Calendula, donc il y a des petites non, c'est des petites bulles, c'est tout, mais du coup je ne sais pas, faut que je me renseigne du coup, parce que là faut que je me renseigne, parce que là je ne sais pas trop à quoi il sert. Donc c'est parti pour les 10 caisses du Body Shop. Donc hop, tadam. Chouette, un gel douche à la rose et j'aime beaucoup en plus cette odeur. Chez eux, j'aime beaucoup l'odeur de la rose de chez eux. Elle sent hyper hyper bon parce que ça sent vraiment la fleur, la rosée. Donc j'aime beaucoup. Ah. Un petit serre-tête à mettre dans les cheveux. Contenant une 50 ml, une crème pour deux jours, vitamine E, et elle est très très bien cette crème. Donc là, une crème de jour, vitamine E, et c'est un gros contenant, c'est 50 ml. L'année dernière, on avait eu que des 50 ml, et là, on avait eu que des 50, on avait eu des 15 ml, et là, c'est des 50, donc là, c'est assez chouette. Alors là, vraiment, là, c'est pas des miniatures quoi. Donc vraiment, 50 ml, là, moi pour utiliser ça, il me faut 5 mois quoi, 4-5 mois pour utiliser. Ce pot là, donc ça c'est vraiment trop chouette, c'est vraiment un beau volume, trop contente. Mais 3. Oh oh. Donc ça c'est une crème pour les mains à l'amande, on en avait déjà eu un format comme ça l'année dernière et vraiment c'est top. Gros volume, c'est pas 100 ml, donc là c'est pas des petits volumes, c'est vraiment chouette, vraiment super contente.
Donc là, c'est un Lip and Cheek. Vous savez, donc c'est les produits lèvres et joues qui font en même temps. Donc là, par contre, ça a pas l'air d'être un rouge, ça a l'air d'être un couleur un peu pêche. Donc ça, c'est top si c'est couleur pêche, parce que j'aime pas trop généralement ce genre de produit. Je vais l'ouvrir. Voilà, à voir ce que ça peut donner. Ah, trop bien. Donc trop bien, c'est un démaquillant à la camomille. Je l'avais déjà eu l'année dernière en plus petit format et franchement j'avais été ravie de ce produit. Donc très contente de le revoir. En plus, ouais, les produits démaquillants, je suis toujours à la recherche d'un super produit démaquillant. Donc là, vraiment top, top, top. Je suis très, très contente. Oh bah il y a plein de neige sur sa voiture. Il continue à neiger, du coup il va faire. Et donc là nous avons à la vitamine E la crème de nuit, et en plus c'est celle que j'utilise actuellement, qui est très riche et que j'aime beaucoup pour cette période. Voilà, quand il fait froid ou comme vous voyez il y a de la neige dehors, et ben j'ai besoin d'une crème bien plus hydratante, surtout la nuit, hein, pour que ça puisse, ma peau puisse bien absorber l'hydratation. Et ben là c'est un gros format encore, franchement top top top. Je vais vous montrer celui qu'on avait eu l'année dernière dans le calendrier. Donc je vous mens pas, voilà celui que j'utilise actuellement. Vous voyez le format, c'est un 15 ml, et là voilà celui qu'on a cette année, celui qu'on avait eu l'année dernière. Donc vraiment là ils ont fait des efforts au niveau de leur format de calendrier, leur format de produit dans le calendrier, et je suis ravie. Donc des gants, vous savez, qui permet aussi de faire un gommage. Ça c'est hyper pratique si vous voulez pas utiliser de produits gommants. Vous mettez votre gel douche et vous lavez avec ces petits gants là, et franchement c'est hyper efficace, ça vous fait un gommage en plus gratuit. Vraiment très très bien ces petits gants. Après celle-là, ouais. Donc c'est une poudre scintillante rose apparemment. Voilà, une petite poudre scintillante. On peut voir qu'elle est légèrement rosée. Bon, je ne connais pas, mais en tout cas, le format est tout mignon, petite étoile comme ça. Vraiment tout sympa. Pourquoi pas tester. Et enfin, la caisse du jour, la caisse numéro 10. Donc, c'est un eyeliner. Bon, bah là, par contre, je suis déçue sur le coup-là. Je suis déçue, moi qui n'utilise pas d'eyeliner, mais voilà, bon, un eyeliner full size, donc bon, on va dire que c'est très très bien, et je vous ferai sûrement gagner lors d'un concours, voilà, sur mes vlogmas. Je pense que vous aurez soit le Seattle London, soit celui-ci à gagner sur ma chaîne, parce que du coup, de toute façon, je ne vais pas les utiliser, donc au moins que ça serve à quelqu'un. Voilà. Donc voilà pour le contenu du calendrier de l'Avent de Body Shop, les 10 premiers jours. Et bien j'ai envie de vous dire que je suis plus que ravie. Il n'y a qu'une seule fois où... Voilà, juste le aujourd'hui, la caisse d'aujourd'hui qui est pas pour moi, qui me plaît pas, mais c'est juste une question de goût. Sinon franchement au niveau des formats, ils ont fait de réels efforts et les produits sont top, top, top. Donc j'ai hâte d'ouvrir les autres caisses. Franchement je regrette pas du tout finalement d'avoir craqué. Dites-moi vous ce que vous en pensez, voilà, si vous trouvez qu'il est bien ou pas. Mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, je trouve vraiment... 100 fois mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent. Là je vais vous laisser parce que le petit il veut qu'on joue ensemble, donc au cadeau qu'il a eu hier. Et puis là il a 2-3 constructions de Lego de son calendrier aussi à construire, et il a besoin de mon aide. Donc voilà, je vais vous laisser pour le moment et puis on se retrouve plus tard.